Téléspectateurs de la chaîne Au cœur de l'Afrique, la chaîne africaine LCA, bonjour. Après l'étape de l'entrée de Banfora, nous voici à présent à l'entrée de la cité des pics, Sendou. Suivez-nous ce qui va se passer dans la ville de Sendou. À bientôt. Chers téléspectateurs de la LCA, la chaîne africaine, la chaîne au cœur de l'Afrique, nous voici sur les pics emblématiques de Sendou, que vous voyez juste derrière moi. Un site touristique beaucoup convoité, beaucoup visité. Ce matin, quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de visiteurs qui sont d'ailleurs montés sur les pics. N'hésitez pas à y faire un tour, car Sendou est à juste 51 km de Banfora. Et la voie est bitumée jusqu'à Sendou. Allez, bonne visite. Merci pour votre fidélité à cette télévision qui aujourd'hui, pour son premier numéro de l'émission Ici c'est l'Afrique, se retrouve à Sendou. Sendou, chef-lieu de la province de la Leraba, Sendou qui se trouve dans la région des Cascades. Alors, nous sommes dans la famille de celui-là même qui est venu avec ce masque que nous allons voir aujourd'hui. Et ce masque s'appelle le Nanzoloko, dans la langue du terroir. La tombe que vous voyez derrière nous, où se trouvent les masques, c'est le fondateur, le monsieur même qui est venu avec le masque ici. Il se nomme Kouyaté Ndogolo. Il est décédé le 27 janvier 2009 à Sendou ici. Et comme le dit des chercheurs et des penseurs, pour se rendre immortel, il faut poser des actes éternels. C'est vrai que ce vieillard n'est plus, mais les actes qu'il a posés continuent de parler de lui. Et ce qui fait parler de lui aujourd'hui, ce sont ses masques. Alors, avant de laisser ces masques aller prester pour que vous voyez comment ça se passe, nous allons écouter un mot de M. Ouattara Amara. M. Ouattara, approchez. Bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Alors donc, nous sommes ici chez vous à Sendou, pour voir les masques que vous avez derrière nous ici, les Nanzoloko. Nous voyons qu'il y a des types, ils sont différents. Il y a les noirs, il y a les rouges. Alors, et ce n'est pas le même accoutrement. Quelle explication vous pouvez donner sur ces masques que nous voyons ce soir? Ok, merci M. Koné. Donc, ces masques que vous venez de voir sont... je peux dire qu'il y a trois masques différents ici. Parce que les rouges, le tout rouge qui représente les mâles, qui jouent à l'offensive. Parce que c'est le masque des initiés. Voilà, donc ils jouent à l'offensive, qui est le mâle. Et le noir que vous voyez, c'est la femelle. Ça représente l'obscurité. Et voici le plus vieux de ces masques-là, qu'on appelle Kouyaté. Il porte le nom Kouyaté parce que c'est le plus vieux de ces masques-là. Mm-hmm. C'est lui qui est chargé d'organiser la foule. Donc, quand on va arriver sur la place, bon, tout gamin et turbulent qui va essayer de troubler la foule va le sentir. Il est le comédien aussi de ces masques-là. Okay. Donc, il joue beaucoup de la comédie. Donc, ce qui les fait un véritable créateur. Il n'a pas les mêmes pas de danse que les autres masques. D'accord. Voilà, voici ce que j'ai à vous dire pour le moment. D'accord. Et le reste est à venir. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouattara Amara.
Nous allons donc rentrer dans l'ère du masque pour voir comment les masques dansent. Et il y aura beaucoup d'autres questions qu'on va vous poser après. Donc, chers téléspectateurs, suivez-nous. Nous assistons à la sortie des masques de Saint-Dou. Actuellement, les masques sont en train de sortir pour aller sur l'ère de la danse. Dans l'antichambre de la cour des créateurs même du masque, qu'on appelle le bolon ici, vous voyez comment les masques sortent avec le dos, car les masques ne doivent pas sortir en face. C'est donc la tradition qui montre comment ces masques-là sont munis de pouvoir. Ces masques dits Nanzoloko ont le pouvoir de détecter les mauvaises personnes dans la foule. Il y a des moments où ces masques montent sur le toit de la maison à la recherche des mauvais esprits venus pour perturber la danse. Également, au niveau donc de ces masques, vous allez voir ce qu'ils attrapent comme un gris-gris. Et cet élément les guide à assainir l'air de la danse pour que tout se passe bien sans interruption. S'ils arrivent à détecter des sorciers ou encore des mauvais esprits sur l'air du masque, ils s'en vont vers la personne et souvent ça se termine mal. Ils ont également la capacité d'intercepter les mauvais sorts qui sont jetés par les mauvaises personnes. Les masques sont donc le reflet de la société au-delà de la réjouissance qu'ils offrent à la population. Ils sont aussi des protecteurs du village. Ils sont également porteurs d'un message qui ventile toute une culture, tout un mode de pensée, tout un mode de vie. Les masques de Saint-Dou, dans la province de la Leraba, au Burkina Faso, dans la région des Cascades, voici une exclusivité sur votre chaîne préférée, la LCA. Oh,
également ont leur part dans la danse des masques Nzoloko de Saint-Doux. Vous voyez ici les vieilles qui entonnent les chansons, car c'est avec les femmes que les chansons sont bien harmonisées et cela permet également au masque de s'exprimer dans toute son entièreté. Avec la prestation, nous allons prendre encore certaines informations avec le chef coutumier et également ceux-là même qui s'occupent de ces masques-là. Nous avons avec nous M. Ouattara Amara. M. Amara, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec M. Ouattara Bamori. M. Ouattara Bamori, bonsoir. Bonsoir, M. Kone. Alors, merci de nous avoir reçus ce soir à Saint-Doux. Et nous avons vu la prestation des masques. Les masques, on les appelle les Nzoloko. Et je voulais comprendre ces masques-là. Quelles sont les occasions où on peut avoir ces masques-là? Est-ce que c'est pour les funérailles? Est-ce que c'est pour les réjouissances? Qu'est-ce que, à quel moment ces masques-là peuvent sortir? Monsieur Wattam. Merci.
Tout d'abord, avant d'expliquer comment est venu les masques de Sendou, il faut connaître d'abord comment le village de Sendou même avait été déjà créé. Parce que selon la tradition orale, on nous dit bien que ce village de Sendou aurait été fondé vers le début du XIVe siècle par des Sénoufos qui avaient quitté le sud de l'actuelle République du Mali au cours de la guerre tribale entre les Tukulés et Bamara à la recherche d'une terre propice à la vie humaine et à l'agriculture. Voilà, sachez bien que ce village est composé de la population Sénoufos. Et tout en sachant bien que les Sénoufos et rattaché à leurs activités culturelles et qui, en même temps culturelles, voilà, ils ont eu l'idée de créer ces masques-là. Donc, Bonouloum Kouyaté, qui a eu l'initiative de créer les masques, les tout premiers masques que j'ai bien présentés, qu'on appelle Namfiru, donc d'autres l'appellent Patapali. Donc c'est le Kouyaté aussi. C'est voilà, il porte le nom de son créateur en même temps. Exactement. Maintenant, comme les Kouyaté, c'est nos griots ici, ils sont sous nobles, c'est les quatre. Alors que les villages de Sendou, les chefs sont actuellement les Kone et les Ouattara. Puisque les Kone sont les chefs de terre et les Ouattara sont les chefs coutumiers. Maintenant, dans le cadre de la bonne cohésion sociale entre les familles, ils ont eu l'initiative de créer ces masques-là. Kouyaté a créé les vieux masques et les Ouattara ont créé les masques, les rouges et les noirs. J'ai bien dit que les rouges, c'était l'offensif. Exact. Et comme on le dit bien, pour mieux se défendre, il faut attaquer. C'est ça. Voilà, c'est lui qui joue l'offensif. Et maintenant, les noirs qui représentent l'obscurité, fait la protection. Maintenant, le vieux masque qui est l'organisateur de la foule, en même temps le comédien, il joue son rôle. Parce que tout enfant qui va essayer de troubler la foule, le sentira bien. Exactement. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'activité, dans les prestations. Oui. Voici ce que je peux dire. Mais sachez bien que ces masques ont été créés pour la bonne cohésion sociale entre les familles. D'accord. Voilà. Alors, voilà. Merci bien. Mais j'ai constaté aussi que quand il y a des funérailles, vous faites sortir ces masques-là. Et comment on peut expliquer cet état de fait-là? Oui, bien sûr, parce que c'est les masques des initiés. C'est les masques des initiés. Parce que avant, quand l'initiation commençait, il partait commencer au niveau des pics. Il passait presque une semaine au niveau des pics avant de descendre dans les bois sacrés en ville. Donc c'est les masques des initiés. Maintenant, lors des événements aussi, voilà, on peut les faire sortir, mettre des ambiances comme tel est le cas pour aujourd'hui. D'accord. Merci. Alors, maintenant, ce que je veux également savoir, vous savez que ce ne sont pas les seuls masques que nous avons à Sendou ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres masques à Sendou? Et quels sont les interdits de ces masques-là? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs sortes de masques en pays Sénoufo. Il y a d'autres masques qui sont encore plus sacrés. Ils sont encore plus sacrés. Donc, tant qu'on n'est pas initié, on ne peut pas vraiment regarder ces masques-là. D'accord. Donc voilà, bon, on ne peut pas rentrer en profondeur parce que tout ce qui est sacré, alors il faut se méfier comme nous sommes en pays Sénoufou. Alors l'ancêtre des masques a imité la prière des musulmans. Je veux comprendre. Est-ce que c'est un message pour nous dire que le fait d'être de cette communauté des masques-là n'empêche pas d'exercer sa religion? Je veux comprendre. Okay. D'accord, merci M. Kone. Parce que vous avez vu les masques viennent d'imiter la prière musulmane tout à l'heure ici. Et cela s'explique parce que j'ai bien dit que les Sénoufos sont arrivés, les Sénoufos ennemis sont arrivés ici et ils ont créé le village au début du XIVe siècle. Mais par contre, c'était au début du XVIIe siècle que les Bamara musulmans commerçants venant de l'actuelle République du Mali, de Ségou, actuelle République du Mali, en allant vers Kon, sont arrivés pour une première fois à Sendou ici. Mais fatigués du trajet fait à pied, ces musulmans ont décidé de
de rester ici pendant quelques mois avant de continuer leur périple. Mais malheureusement, comme c'était lors des guerres tribales, et pendant leur séjour, ce village de Sendou avait été attaqué par d'autres ennemis. Bah, voilà, qui malgré leur supériorité matérielle et humaine ont échoué à toute tentative contre ces petits villages. Alors, donc convaincus de la protection du village par une force surnaturelle, ces musulmans ont décidé de rester définitivement ici et ils ont été acceptés par les animistes. Voici comment l'initiative est venue et maintenant, comme vous savez, nous sommes en pays, c'est nouveau, le Sénégal est totalement animiste. Hein? Voilà, il est 100% animiste, je vous l'ai dit, même si aujourd'hui d'autres ont opté pour la religion musulmane, mais il y a beaucoup aussi qui ont préféré rester dans leur cadre ancien. Bon, vous savez, dans les Bibles et dans les Corans, on a constaté que les lieux les plus élevés ont été des lieux propices pour des méditations. Ces animistes ont eu l'idée de faire des sacrifices et des vœux en même temps afin de protéger leur patrie contre les ennemis, contre les radias. Donc, à force de faire ces sacrifices et ces vœux, selon la tradition orale, c'était un beau vendredi matin que les chefs coutumiers a fait connaissance d'un esprit au niveau de ces pics ici, au niveau du village. Avec qui il réussit à signer un pacte, un accord de protectorat afin de protéger le village. Maintenant, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'initiative de créer ces masques-là pour vraiment protéger. Ces masques-là sont des esprits protecteurs du village et le fait qu'ils sont en train de prier, comme les musulmans sont arrivés, il n'y a pas eu de guerre entre les animistes et les musulmans. Ils ont vécu en harmonie. Même, vous allez remarquer que même les jours de la Tabaski ou du Ramadan ici, les masques ira sur l'air de prière pour souhaiter bonne année à l'imam. Donc ça veut dire que vraiment il n'y a jamais eu de guerre interreligieuse entre la population ici. Donc c'est ce que nous trouvons bien dans tout cela. Et d'ailleurs même, ce village de Sundo est le nom que les animistes ont donné, que les esprits ont donné aux animistes. Et il y a un second nom qu'on dit Sutrala, qui est venu des musulmans qui sont arrivés au début du XVIIe siècle. Qui veut dire la protection. Qui veut dire aussi la protection. Exactement. Vous voyez. Et le nom Sendou sera venu des blancs, du colon. Voilà, et c'est nous qui ne veut rien dire en fait, parce que ça ne veut rien dire. On devait dire Sutrala. Sutrala, non mais bon, les blancs, au lieu de Suno, il a dit Sendou. D'accord. Donc, c'est une déformation de Suno en fait. D'accord. Ok, donc je crois que nous avons fait presque le tour, mais la dernière question que j'ai à poser, j'ai constaté que les femmes dansent ce masque-là. Est-ce à dire que les femmes aussi sont initiées? Ou bien, comment on peut rentrer dans ce masque-là au niveau de Sendou? À partir du moment qu'il y a les jeunes garçons qui sont initiés, on peut dire que les femmes aussi sont initiées. Ils sont initiés parce que ces masques, vraiment, chacun d'entre nous, il n'y a pas de genre, quoi. Hommes et femmes, bon, ils peuvent danser. Vous voyez comme ça. Mais il y a l'autre masque qu'on appelle Yaraka, donc qui consiste uniquement aux garçons seulement. À partir de 18 ans, c'est comme la hiérarchie militaire. Il y a un groupe qui vient, voilà, remplacer un autre. Voilà, c'est toujours les nouveaux recrues qui sont vraiment. D'accord. Voilà. Oui, j'ai constaté ça parce que je sais que les chefs coutumiers, c'est mon promotionnaire et ils ont leur équipe aussi là. Voilà. Je crois que toi, tu fais partie de son équipe. Oui. Ah, Lille, toi, tu es. Et ils sont avant vous. Voilà. Toi, tu étais après. Voilà. Donc, il y a des groupes. Effectivement, c'est par promotion en réalité que les choses se passent au niveau de ce masque-là. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Maintenant, est-ce que vous estimez qu'il y a des choses que vous devriez dire et que vous avez oublié, si vous pouvez dire, pour que les téléspectateurs comprennent vraiment ce que c'est que l'esprit de ces masques dans cette communauté ici à Sendou? Bon, c'est toujours dans le cadre de la cohésion sociale. Voilà, parce qu'à Sendou, ici, on a constaté que même il y
entre nous ici, bon, on ne peut jamais être ensemble sans souvent se discuter, mais ça n'ira pas loin. Voilà, à cause de ces masques-là, vraiment ça renferme tout et puis voilà, on essaie de continuer avec la vie. Donc c'est toujours comme ça. C'est pour la cohésion sociale. Exactement. Sinon, il n'y a pas autre chose. D'accord. Alors, le chef coutumier, vous avez quelque chose à ajouter? Je suis très très content. Ça veut dire que ça va montrer qu'il y a une région qui était oubliée et que tout le monde verra cette région et nos coutumes. Plusieurs fois, nous voyons nos pics sur la télé, mais quelles sont les réalités? Quels sont nos coutumes exacts dans le village de Saint-Nous, ce temps-là? Les gens ne connaissaient pas ça, mais grâce à vous, beaucoup de personnes que vous connaissent ça. Donc moi, je ne fais que remercier. La LCA, je ne dois pas aller trop en détail. En tant que chef coutumier, nous, ça veut dire que nous sommes les boîtes de secrets. C'est vrai. Donc nous ne devons pas trop parler. Exactement. Voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara Bamouri. Merci également à Monsieur Ouattara Amara. Et nous allons vous charger de transmettre également nos remerciements aux doyens qui sont en arrière-plan ici, qui ont accepté de venir s'asseoir pour suivre vraiment comment vous avez presté ici avec les masques de Saint-Loup qu'on appelle les Nanzoloko. Et nous savons qu'il y a d'autres pans de la culture de Saint-Loup que nous allons voir ensemble. Mais pour le moment, nous avons vu les Nanzoloko aujourd'hui et nous estimons que nous allons revenir une prochaine fois pour d'autres émissions pour faire connaître la culture Saint-Loup de Saint-Loup. Alors, chers téléspectateurs, on vous remercie pour votre fidélité à cette émission. Et le numéro 1 de Ici, c'est l'Afrique, réalisé par Salia Kone. Et nous étions, comme je l'ai dit, à Saint-Loup, chef-lieu de la province de la Leraba. Passez une très bonne journée. Au revoir et à bientôt.